Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur la saison 4 de Fortnite chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch d'XP, je tiens juste à vous demander de vous connecter une fois par jour sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran. Donc ça nous aidera à débloquer l'XP pour vous proposer de meilleurs glitches d'XP. Donc n'hésitez pas à vous connecter tous les jours sur cette map, le code sera en description en commentaire épinglé. Merci à tous. Alors le code du glitch d'aujourd'hui dans cette vidéo c'est le 40885199812. Donc voilà, vous entrez ce code, le code sera aussi en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, ensuite vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce que tout simplement, il s'efface toutes les deux semaines. Alors par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous. Donc quand la map est lancée, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appuyer sur Options, aller dans Menu, lancer le jeu. Et là, ce que moi je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous êtes pressé, vous pouvez faire le glitch directement. Mais si vous avez 10 minutes devant vous, attendez 10 minutes avant de faire le glitch, comme ça vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok, donc là j'ai attendu 10 minutes, donc c'est parti, je vous montre ce que vous devez faire. Donc vous laissez tomber au milieu. Alors repérez-vous via la mini-carte en haut à droite. Donc regardez, moi je vais tout à droite. Donc repérez-vous avec la petite carte en haut à droite. Hein. Donc je suis tout à droite de la carte. Et ce que vous allez faire, c'est, là il y a un carré bleu. Ce que vous faites, c'est que vous faites une rampe, deux rampes, trois rampes, quatre rampes, cinq rampes. À partir du carré bleu, hein, vraiment à la limite là. Vous faites 5 rampes, ensuite vous faites un plat. Voilà. Et là, vous faites une émote. N'importe quelle émote, voilà. Quand vous avez fait une émote, vous allez de l'autre côté de la map. Et vous allez recréer 5 rampes et un plat. Comme vous avez fait de l'autre côté. Sauf que cette fois-ci, vous allez le faire du côté gauche de la mini-carte. Donc là, regardez, sur la mini-carte, je suis bien à gauche. Je vais tout au bout. Je crée 5 rampes. 1, 2, 3, 4. 5, je crée un plat. Et là, dans le coin supérieur droite, normalement, il devrait y avoir un bouton. Attendez, je ne le trouve pas. Ah si, en fait, il est à gauche. Il n'est pas à droite, il est à gauche. Ok? Donc, il est à gauche de la plateforme du plat. Donc, vous interagissez avec ce bouton. Ensuite, vous êtes téléporté dans l'aéronef. Ici, vous avez des pièces que vous allez pouvoir récupérer. Donc, récupérer un maximum de pièces. Voilà. Donc, ça donne 2 millions par 2 millions. Normalement, vous avez assez avec une fois, hein. Mais bon, prenez-en plusieurs si vous voulez. Ensuite, ici, vous avez des boutons interaction. Donc, regardez, je suis niveau 4 au début du niveau 4. Donc, je vais interagir avec les boutons. Donc là, vous spammez. Bam, 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 bam. Il y a 11 boutons, donc vous spammez, vous spammez, vous spammez. Ensuite, vous spammez l'autre bouton. Voilà, vous spammez l'autre bouton. Tac, 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 tac. Dès que vous avez fini de spammer le bouton, vous remontez en haut ici. Vous allez interagir avec le bouton qui est juste ici. Vous spammez. Ça, c'est le troisième bouton. Ici, il y a un quatrième bouton. Là, il y a un cinquième bouton. Là, il y a un sixième bouton. Là, il y a un septième bouton. Voilà. Ensuite, là, il y a un huitième bouton. Voilà. Neuvième bouton, normalement, ici. Neuvième bouton. Vous spammez. Dixième bouton, ici. Et onzième bouton, juste ici. Quand vous avez spammé avec tous les boutons, ce que vous faites, c'est que vous allez prêter des pièces, vous récupérez des pièces. Et là, vous allez acheter des XP contre des pièces. Donc, vous spammez les pièces. Hein. Tac, tac, tac. Ok, donc là, j'ai l'impression que ça n'en donne plus. Donc, on passe au deuxième. Vous spammez, vous spammez, vous spammez. Quand ça donne plus d'XP, vous passez au troisième. Vous spammez, vous spammez, vous spammez. Ensuite, vous passez au quatrième. Ensuite, vous passez au cinquième. Et là, ce que vous faites, c'est que vous retournez au premier pour voir si ça redonne de l'XP. Donc là, ça n'a plus l'air de donner d'XP. On va passer au deuxième. Ça donne plus d'XP. On passe au troisième. Ça donne plus d'XP, on passe à 4e, ça donne plus d'XP, et on passe à 5e, ça donne plus d'XP. Dès que vous ne pouvez plus gagner d'XP, ce que vous faites, c'est que... Ah, peut-être que j'avais plus de pièces. Attendez, on va réessayer. Si maintenant je refais.
Non, je pense que ça marche plus. Donc dès que ça donne plus d'XP, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez le jeu et vous relancez le glitch en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc voilà, regardez, j'étais niveau 4, je suis niveau 9, donc ça fait que j'ai gagné 5 niveaux, donc 5 x 8, ça fait 400 000 XP plus 50. Donc j'ai gagné 450 000 XP rien qu'en un seul glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace!